Au tep, au tep. Au tep. Haché à tous les ancêtres sacrés, connus et inconnus. On a cinq dos, symboliquement pour représenter les cinq sens principaux qu'on nous a donnés pour expérimenter cette existence terrestre kébique. Et Topi, rappelle-nous encore les jours qu'on a l'eau de la mer, Eau de la mer, eau de rivière, rivière, eau de coco, eau de coco, eau de bassin eau de bassin. et eau de mer. On a déjà dit eau de mer. C'est Eau de l'eau mer, de eau de rivière, lotus. eau du bassin, eau d'eau de coco et le dernier c'est eau de La, rivière. J'ai déjà il y dit. a, il y a, il y a l'eau de la pluie. Oui, ah Voilà. oui, de pluie, Voilà. voilà. Donc J'ai marqué sur le tableau. on a l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau de pluie, l'eau de coco. Et Du bassin. celui-là, que vous percevoir comme l'eau qui est plus sale, c'est le plus propre. Parce que cette eau-là, ça, c'est l'eau sacrée, c'est l'eau du lotus, avec même des papus dans l'eau. Moi, je suis toujours en train de déguster cette expérience-là, toujours. Et on a réuni des fruits en offrande pour les ancêtres. Donc, on remercie tous les ancêtres sacrés, tous les archétypes primordiaux de la cosmogonie kémétique. Haché. 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 Haché à tous les frères et sœurs, tous les grands ancêtres qui ont amené leur pierre à notre libération, à notre souveraineté, notre dignité, à la racine de notre spiritualité kémétique. Haché. Haché. Donc, la famille, pour tous les frères et sœurs qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, c'est pas perdu. On connaît très bien que lorsqu'on est tous connectés, même si nous là on est présents pour vivre cette expérience-là et partager cette expérience-là mutuellement entre nous, entre frères et sœurs, entre familles, des enfants du soleil, entre des enfants, des êtres vivants, des êtres divins, hachés, hachés.